Extrait de texte écrit par les élèves de 3e du collège de Trévières. Mathéo, aujourd'hui cela va faire 77 ans. Cela va faire 77 ans, plus de 130 000 hommes étaient sur ces plages. Cela va faire 77 ans que le bruit assourdissant des canons les rapprochait vers la mort. Cela va faire 77 ans que cette belle eau bleue est devenue pendant quelques jours une mer rouge de sang. Inès, chaque soir il fait sombre, le jour se lève, on reçoit une averse de bombes. Jour après jour, je me demande si je les reverrai un jour. Anouk, demain je m'enfuirai en montant les barbelés où je me ferai fusiller. Aujourd'hui je suis dans les enfers, mais demain, quoi qu'il m'arrive, j'irai au paradis. Maxence, adieu ma femme, la guerre n'est pas à désir, la guerre ne me fait pas rire, je suis abasourdi sous les tirs. Hermine, comme une pluie d'étincelles, haut dans le ciel, une abondance de bombes retombe en trombe, arrachant la vie de nombreux innocents, gâchant l'avenir de certaines dames d'enfants, emmenant avec elles des soldats courageux. Roxane, le 6 juin, jour de liberté, les feux enragés t'ont porté, tu as débarqué sous un déluge de feu, explosion assourdissante, eau glaçante, les pieds dans une nappe rouge qui s'élargit, Édouard et Walter perdus, John disparu, William abattu. Sonnet, Ulysse et Hamelin. La paix s'en va, il faut rattraper. Pour sauver la paix, il faut tout donner. Laissez-les annexer pour la paix, car nous ne l'abandonnerons jamais. Joanne, je vous remercie d'avoir fait de moi ce que je suis, un homme libre de penser, car sans vous, peut-être aujourd'hui, dans mon pays, je ne pourrais pas rêver.